Bonjour! Ah là là, ce XSplit qui est pas levé le matin. Bon bah c'est pas grave. Alors j'avais capturé le jeu et apparemment la capture du jeu ne s'est pas faite. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Ce matin on va jouer à un nouveau jeu si il est là. Enfin s'il veut bien entendu nous faire... comment dire Eh bien, s'ils veulent nous prêter un peu d'intérêt, hein, voilà. Donc je refais la capture, hein, parce qu'apparemment la capture n'avait pas été faite de la bonne manière. Et nous allons jouer à Darkest Dungeon, mais dans l'espace, et ça s'appelle Deep Sky Derelict. Et on jouera peut-être à un autre jeu, c'est comme Céleste. Mais en moins bien, du coup, c'est normal. Mais on jouera peut-être à un autre jeu, c'est comme Céleste. Et vous allez voir, c'est bien. Allez, on y croit. On y croit. On ferme les yeux. Il est là. Il est là. Parfait. Il est là. Donc, oui, ça s'appelle Deep Sky Derelict. Et c'est moins compliqué que Darkest Dungeon. Déjà, pour moi, c'est un bon point. Faudrait peut-être que j'y joue d'ailleurs à Darkest Dungeon. Enfin, j'y ai déjà joué techniquement. Mais pas beaucoup, beaucoup. Alors, quand je vais baisser le son, je vais sortir de la fenêtre, eh bien, il va avoir des petites coupures de son. Désolé, c'est comme ça. Je ne peux rien faire. Salut, Karudashi. Bonjour à toi, Fairlands. Bah, on est dans le chill stream, hein. Je pense pas que mon stream est un endroit où je crie énormément. Donc ça passe. Donc c'est un roguelike, hein, puisqu'en ce moment on aime bien les roguelikes. Hein. Et on doit choisir trois personnes. Comme j'ai la flemme. N'hésitez pas à me dire si le son est fort ou pas. J'ai l'impression que le son est fort. Donc je vais encore baisser. Je pense que je vais tout laisser de base comme ça. Hein, puisque... Voilà. Je sais pas à quoi ça correspond. Enfin, si je sais ce que ça veut dire, mais je sais pas à quoi ça correspond dans le jeu. Donc voilà, on verra. On verra, on verra. On va mettre start. Bon, apparemment, le jeu. Enfin, non, c'est même pas apparemment. Le jeu est sorti en novembre dernier. Et il est encore. Oh, doucement, doucement. Quand vous parlez, doucement. Parce que là, il y a beaucoup de textes en anglais. Voilà. C'est triste, renomme les persos. Ah bah non, mais non, mais non. Alors attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, nanana, nanani, nanana. Oui, bon, rien d'intéressant. Ah, il faut que je réponde. Ah, donc il faut que je vous traduise ce que je comprends. Bon, je vais vous traduire que ce que je comprends. Donc, scavengers. Scavengers, c'est... Le mot je l'ai, je sais la signification, mais la traduction exacte, vous la ferez dans le chat. Voilà, ça c'est important, c'est un peu mon cadeau. Comme dirait un grand philosophe, c'est un peu mon cadeau à la communauté. Alors je nettoie mes lunettes, 2 secondes, je vois rien du coup. Je ne vois pas. Hop. Ça arrive. Donc en gros, le monsieur, il nous fait une offre. Il a l'air d'avoir du pognon et nous, on a l'air d'être pauvres. Donc, eh bien, allons-y. Moi, je veux devenir riche. Donc il faut trouver un vaisseau et il nous offre la citoyenneté, non? Quoi? Parce que pourquoi? Oui, scavenger. Attends, scavenger, ça veut dire quoi alors? Parce que je l'ai dans la tête, mais Clodo de l'espace, voilà. Ouais, bon, bah, voilà. Clodo de l'espace. Oui, n'hésitez pas à loot, c'est important. Et salut Sukata. Ça va les chats?
mon chat est content. Et apparemment, ce Movership, cette truc, il n'existe pas. Oui, bon bah non, continue. Je vais être riche, n'oubliez pas. Donc, les scientifiques ont trouvé un vaisseau dans le secteur. Bah non, mais va pas trop vite. Déjà, j'arrive mal à lire, s'il te plaît. Apparemment, il y a des technologies, intégrées, enfin embarquées à ce vaisseau qui sont inconnues et sûrement super méga dangereuses. Je dois le trouver, sûrement eh bien l'explorer. Et si je ramène ce que veut ce sub-gouverneur, eh bien j'aurai cette citoyenneté. Voilà, et j'aurai un ticket pour le Easy Life. Non, mais on s'en fout. Hein, pourquoi moi Allez, j'en ai assez écouté, on y va. Oui, on s'en va. On s'en va. Grosse histoire, ça va, tout va bien. Pour l'instant, j'ai tout compris. J'ai tout lu, j'ai tout compris, on n'a jamais vu ça. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Parfait. Donc, on est dans une sorte de hub où on va sûrement... Eh, hey, mais pourquoi t'es par... Pourquoi le tuto, il est parti? Donc, on est dans un sorte de hub et il y a sûrement des trucs à faire dans ce hub. Malheureusement, le personnage qui devait me parler, qui m'expliquait quelque chose, s'est barré. Donc niquez lui. Un inventaire. Un mission log. Un scanner. Non, j'ai pas de scanner. Non, j'ai pas de scanner apparemment. J'ai mon crew. Donc nous sommes trois. On a des cartes. Sûrement des cartes d'attaque. On verra ça quand j'aurai. Il y a des niveaux. Ok. Donc de l'expérience, de l'inventaire, enfin un équipement, voilà. Des points de compétence, tout ça. Ok, pas de soucis. Il y a l'air d'avoir en bas à droite, vous ne voyez pas parce que tout l'écran est... tout l'écran... Putain, mais c'est pas possible. Tout l'écran est... est utilisé, donc ma caméra, faut bien que je la foute quelque part, mais ici, là, juste devant moi, apparemment, j'ai du pognon. Là, je sais pas ce que c'est, une barre de... Je sais pas ce que c'est comme barre. Donc, je peux acheter apparemment des armes. Je sais pas, on dirait que ça se charge super doucement l'interface, comme si, en fait, le jeu, il laguait. Bon, on va dire qu'on achète rien, parce que pour l'instant, on sait pas. On pourra sûrement revenir là pour se soigner. Institut, on n'y va pas. Et ça, on pourra acheter des recruter des mercenaires, non? Ou c'est des missions, peut-être? Je ne sais pas. Looking for ça. Ah oui, ça doit être des missions. D'accord, c'est des missions, ça. C'est des missions. J'ai marqué take contract. Mais est-ce que j'ai déjà un contract? Est-ce que je peux partir vu que j'ai déjà un contract? Oh là là, ça a l'air d'être compliqué quand même, hein. Bon, on m'a dit, tu vas voir, c'est comme Darkest Dungeon, mais en plus simple. C'est Dark Bob. Waouh, water and cookies. Trop bien, on va manger que des cookies. Donc, we'll take your life or your money back. Lunch mission. Esconditos. Ouais, mais le nom du truc, c'était pas marqué. Bon, d'accord. Bon, on va prendre une mission, alors, dans le doute. On va prendre une mission. Voilà. New mission. T.O.P. Voilà. Peut-être qu'en fait, la mission, le truc, là, du vaisseau, c'était la mission principale. Et là, on fait des petites... On se balade.
Voilà. Bonjour. C'est ici le patch FR. Bah, on n'est pas. Non, ça c'est pas. Non, là, on est. C'est pas gagné, quoi. Bon, par contre, Jidan, tu m'as dit ouais. Moi, j'ai acheté Monster Hunter World. J'ai envie de jouer avec toi. Merci d'ailleurs, Random Lurker, pour ton loot. Et merci pour ceux qui vont passer. N'hésitez pas à looter, c'est important. J'ai acheté Monster Hunter World et tu joues même pas avec moi. T'es même pas dans le clan. Tu m'as même pas demandé. Ça m'attriste un petit peu quand même. Voilà. Free Travel for the Authority. D'accord. Bon, on va à TOP. Je t'ai ajouté hier un. Ouais, mais bon, on a quand même pas joué ensemble. Voilà. Donc, on est dans la station. La mission log. TOP, the office of is looking for Salomé. Un monsieur qui est pas gentil. Donc je dois trouver Salomé et lui dire rends les documents, connard. D'accord, parfait. Et quoi d'autre? Ah, et ici j'ai find location data. Ok. D'accord. Voilà. Voilà, oui. Donc ça, c'est moi. Oui, on avait... Non. Return to station. Non, peut-être open PDA. Ça doit être la map où on est. Scanner. Ça doit être ça. Moi aussi, je vais être dans le clan. Tu sais pas comment ça marche. Chacun qui bute ses joueurs. Mais non. Bon, on regardera ça tout à l'heure, alors. Connard Kappa. 1 EP... Ah, scan surrounding. Ouais, j'ai scanné. Donc ça, c'est les pièces où je peux aller. Action, power, field scan. Oh là 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 là. Ah. Explorer, unknown, scanned. Et ça, action, c'est quoi? Supply power, turn by tide. Oh là là, ça a l'air d'être compliqué. Faire un tuto, ouais. Bah là, il faut un tuto, je crois, pour jouer au jeu, là. D'accord. Field scanner. Donc, j'ai ni de scanner, ni de machin. Bon, on va avancer, non? Ok. Donc, en fait, là, on avance. Et si je close mon PDA, on a un truc d'énergie, d'accord. Ok. Bon, c'est peut-être... Le jeu, je ne le connaissais pas et donc j'y joue parce que... Alors, j'y joue parce que... Donc, c'est dans le canard PC du mois de janvier. Et il y a marqué sur ce jeu, voilà, je vais vous lire, il y a marqué... Parce que oui, j'adore lire le canard PC, hein, c'est vraiment bien. Il y a marqué... Deep Sky Derelict n'est pas qu'un bête plagiat spatial de Darkest Dungeon. Moins exigeant, il offre néanmoins des phases d'exploration particulièrement agréables. Donc voilà, je me suis dit que ça va être super cool. C'est pour ça, mais bon. C'est tout en anglais, il aurait fallu dire qu'il y avait besoin d'un niveau d'anglais déjà. Ça m'a un peu fait peur. Bon, c'est pas grave, on essaye d'avancer. On avance. D'accord. Ah, d'accord, ça c'est tout le vaisseau. Bon bah, avance. Non, faut que je scanne. Ah. Keep none of the energy reserve. D'accord. Ah, sinon on va tous crever. Et il est où mon energy reserved? Non, parce que si je suis obligé de faire close PDA. Ah, mais c'est marqué 86. Ah, c'est bon, j'ai rien dit. Faut que t'arrêtes de lire Canard PC. Ah! Apparemment, y a pas grand chose. Hein. Y a personne? C'est Yara. Qui a écrit l'article? Ah, qui a écrit l'article? Attends, qui a écrit l'article? C'est important. Il manque la musique dans le jeu quand même. Hein. LF Sebum. Je ne connais pas ce.
Bon, faut que ça arrive 12 fois avant que ça fonctionne. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On va riper 12-15 fois et après tout va fonctionner parfaitement. Heureux du coup. Heureux, heureux. Désolé pour le désagrément, hein. Bien entendu, ce n'est pas ma faute, mais bon. On va subir et on va surtout sourire. N'oubliez pas qu'on subit les rips, mais on le subit avec le sourire. Je vais aller fermer les volets et du temps, n'oubliez l'outzer. Voilà, vous êtes beaucoup là quand même à pouvoir l'outzer. Je vous encourage, bien sûr. Faites-le, c'est important. C'est important. Est-ce que mon chat est derrière? Oui, tu es là. Allez-y. Hop, hop. Hop. Ah là là. Hop. On continue. On continue avec le sourire. Hein? Avec le sourire, les rips, malheureusement, un jour je saurai pourquoi. Donc, j'ai récupéré une pièce d'équipement qui me donne des cartes, apparemment. Chaque pièce d'équipement a ses propres, ses propres cartes. Bon, bah écoute, je take call, hein, parce que c'est utile. Voilà, livre. Donc, apparemment, petit coup de scanner. Alors attends, Legend. Là, il y a Hostile Unknown. Et ben, on va vers le Hostile Unknown. Ah, monsieur. Donc là, on doit chercher des datas. Et on doit chercher Salomé. Donc, oui. Ah, donc on parle quand même, mec. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Super, on s'en fout. Quoi? D'accord, un mec qui parle de bouffe, on s'en tape. Voilà, je me casse. Attends. Donc en fait... Mais pourquoi on rencontre un mec au pif? Il bouge pas, on se tape pas? Bonjour Moa. Ah bah j'hyperventile à max là, hein. Je suis pas bien. Bon, est-ce qu'il a un truc à me donner, ce monsieur? D'accord. Bon. Protéines. Nanana. Ouais, mais pourquoi en fait? Bon, bref, il raconte des trucs dégueulasses, on s'en tape. Ok, donc il y a un mec là, il nous a parlé, qui bouffait des trucs dégueux, j'ai pas compris. Bon, on se casse. C'est super. C'est super. Au revoir. On scanne. Ah. Donc là, la légende dit que on sait pas. Donc on va aller là. Search. Et on récupère une cellule d'énergie. D'accord. Super. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de méchants. Ah si! Un bunch of lézards. Ça y est! Le jeu commence! C'est bon! Prépare to fight! Est-ce qu'il y a de la musique? Oula, 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 doucement, attends.
Ah, donc j'ai un. Donc il semblerait que j'ai une sorte de shield. Il y a de la musique. Et il y a une barre pour dire qui va attaquer après qui. Donc. Boost. D'accord. Donc, moi je suis où? Je suis lequel? Je suis là, au milieu. Inspire. Enfin. Bon, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. C'est un peu dommage. En fait, non, c'est juste que l'interface a l'air d'être méga compliquée. Pour pas grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Il faut essayer quand même. Card gain plus 11, ok. Ouais, bon. Single strike, ouais. Restore 50% de shield et inspire. Ouais, donc pas besoin d'inspirer, on va le taper. Hein. Bim. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Shield boost. Ok. On s'en fout, j'ai mon shield à fond. Recharge shield, je m'en fous. Disrupt. Fonction machin. Melee, hors buff, hors debuff. Disruption. Prevent use a specific card type. Ok. Donc en gros, c'est. Si je fais ça, ils vont pas avoir de buff. On s'en fout, on va taper. 30 à 60%. Ah ouais. Bah, c'est pas grave, on s'en fout. Ok, cool. Voilà. Et lui, Self Richard, Recharge. Ouais, bon, on a 30 toujours. Bash. Single Strike. Et bash, target receive 5. Moins 5 initiatives for tour. Ok, ah c'est bien ça. Ouais, mais je vais le tuer là. Je le tue donc c'est bon. Allez, tu meurs. Pour Saint-Valentin, l'argent des loots. Oui, bien sûr, se refaire à ça, bien entendu. Alors, si vous appréciez Célia, si vous pensez qu'elle vaut le coup, envoyez des loots rien que pour elle. Quoi. Pensez-y, c'est important. C'est très important. Alors, on continue. Ah, donc il semblerait que quand j'utilise une carte, cette carte-là se barre. Et je ne peux pas la réutiliser. Donc, là en gros, j'ai utilisé ma carte d'attaque et je peux pas la réutiliser. C'est un peu con. Bah dans ce cas-là, on va lui recharger son shield à lui. C'est un peu bizarre, non? C'est ça, attends, non. Open PDA, non. Non, on peut pas open le PDA. Les loots couvrent même la consommation du mercure en plus. Donc voilà. Bon, bah on va single strike. Hein. Ok. J'ai pas mal l'ADA. L'ADA me dérange pas du tout. Elle est sympa. Un petit bash. Allez. Attends, je regarde ce qu'il y a d'autre. Détecte vulnérabilité. Ouais, non, de toute façon, il est gratuit. Il est gratuit. Donc, moins 5 d'initiative. Est-ce que ça veut dire que du coup, il n'attaquera pas et il a entre guillemets peur? Faut croire. Et là, bah, de toute façon, je le tue. Ok, je le tue. Ok, et je récupère une carte. Bon, je récupère tout, on verra plus tard. Parce que je crois pas que tu puisses... Si tu peux mettre de l'inventaire en avançant. Ok. Ah, en fait, c'est les cartes, c'est ton équipement. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et en fait ça c'est toutes les cartes disponibles. Mais en fait ces cartes disponibles sont données grâce à ça. Mais c'est dommage parce que du coup le weaponry, tech, médical. En fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors qu'au lieu de mettre des points comme ceux-là là, ils auraient pu dire tiens lui il est un peu plus fort là, lui il est un peu plus fort ci. Enfin bref. Bref. C'est pas voilà. Parce qu'au final, bah, je sais pas quoi prendre d'intéressant. Power Glove, 5 damage.
Est-ce que vraiment je m'en sers maintenant? Est-ce que je dois le faire après, avant? Je sais pas. Bon bah, on se casse. On avance. Alors. On va avancer là. Ah les méchants! N'oubliez pas qu'il faut qu'on trouve Salomé. Le King for Treasure. Ok. Ah. Donc, on peut leur parler, mais apparemment, si on leur parle, ils vont pas être gentils. Mais bon, comme on est là pour taper, on va voir si on peut pas. I said leave. Non, non, mais moi j'ai envie qu'on se tape là. Vas-y, viens, on se tape. Ok. Apparemment, ils n'ont pas envie. On scanne. Ah, il y a du loot. C'est du loot, ça. Hein. Enfin, c'est potentiellement des gens méchants. Oui, Nimelia a raison. Là, je viens de voir le loot, là, qui vient de passer. Jusqu'au 19 février, je vous le répète, mais c'est important. Si vous lootez, eh bien, vous avez la possibilité de gagner un bundle style series. Et il y a un casque, des machins comme ça. Donc voilà, c'est totalement gratuit parce que vous avez juste à envoyer un message. Et en plus, si vous gagnez quelque chose, moi je le reçois aussi. C'est quel émulateur que j'utilise pour... Pour la Mega Drive? Je sais plus. Fusion. Ouais, je crois que c'est Fusion. Hop. Je crois. Donc, ça y est, un méchant qui veut taper. C'est parti. Et j'ai l'initiative, apparemment. Mais ça, c'est nul parce qu'au final, les cartes, elles sont... Attends, peut-être que je peux avoir plus de cartes, non? On dirait qu'elles sont toutes randomisées. Non, ce boost. Boost 10. Ça a utilisé des points. Ah merde, boost, ça a dû utiliser des points d'énergie. Merde. Ok. C'était une mauvaise idée, je pense. Draw a card and gains 20% de damage. Galaxy, c'est lui. Non, je crois que c'est lui, le Galaxy. Bah mais on voit pas aussi les personnages. Ok, bon bah écoute. On va attaquer. Ah oui, ils ont un shield. Ah merde. Hacking. Stun target mechanical unit for one turn. To stun mechanical unit. C'est pas trop une mechanical unit lui. Et recharge shield. Mais pourquoi tu veux recharger un shield qui est déjà à fond? Bah ouais, c'est con. Je peux peut-être end turn. Ah merde, j'ai pris un... Ok, j'ai pris un vieux stun de merde. Peut-être que ça vaut peut-être mieux le coup de end de passer mon tour. Okay. Ah, il a quand même pris un coup. Donc elle a plus de cartes parce que j'ai boost. Et après, je pense qu'il va falloir rentrer à la base. Je me suis pas fait attaquer, pardon. Je suis en train de vous tousser à la gueule, je suis désolé. Mais je tape. Ah, une petite épée laser. Ouais. Je vais m'étouffer, tout va bien. For to turn doesn't stack. Ok. Si je lui fais ça... Juste après, c'est pas à moi d'attaquer. Juste après, c'est à elle.
Je crois qu'elle elle a plus de cartes d'attaque en fait. C'est un peu nul. C'est un peu nul. Bah, je vais quand même lui faire. Voilà. Et en plus, for two turns. Ah, mais si c'est for two turns, est-ce que ça compte un turn? Qu'est-ce que un turn? J'ai quoi moi là? Bash, moins 5 initiative, tout turn. Tout turn. Ok. Ouais, wow. 33% d'attaque supplémentaire. Wow. Génial. Ah tiens, ça c'est cool. Il aura une... Attends, c'est à qui lui? Pirate. C'est lequel? C'est lequel? Ah, ça y est, c'est marqué dessus. Donc là, normalement, c'est à lui. Donc si je lui fais un bash, il va pouvoir... Il attaquera pas. Ouais, il est passé derrière. Moins 2, c'est bon. D'accord, c'est les points d'initiative. C'est les... L'initiative, c'est les points. Et du coup, ça détermine l'ordre. Ok. Après, c'est la DA que t'aimes pas trop, mais moi, ça me choque pas trop, ça va. Par contre, je trouve l'interface vraiment pas super méga claire. Et puis, alors, système de cartes, c'est cool. Mais alors, je vois pas pourquoi tu peux pas attaquer. Enfin, voilà. Là, comme ça, en fait, j'ai juste envie de donner des coups, en fait. Mais apparemment, je peux pas. To energize. De toute façon, on va faire ça, non? Card and gain 20% de damage for two rounds. Et le black, il est là. Je vais complimenter. Je te complimente. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'il y en a... que je me suis mis devant. Mais non, mais... C'est lui, hein, que j'ai fait. Non? Je me suis trompé? Ouais, elle est claire mais chargée. Ouais, c'est plutôt chargé. Ouais, tu as raison. Tu serais plutôt... Oh merde, j'ai plus de... Pourquoi il enlève mes attaques? Je comprends pas, ça, c'est chiant. Ok. Va recharger le shield. Hein. Bon, moi je peux attaquer. Du coup je passerai derrière, mais c'est pas grave. Petit coup de bêche. Elle a moins 5. C'est qui lui? Attends, je peux peut-être lui mettre un bash pour qu'il passe après. Après elle, voilà, du coup, elle avait moins 5 d'initiative, mais lui, il a moins 7. Et elle a récupéré des cartes. Bah, elle a récupéré des cartes parce que je me suis fait le compliment sur ma gueule. 65% de damage per shot, fire two shot. Donc, je peux faire 2 x 8 ou là, je fais 6. Attends, il a juste initiative. Ouais, il a 2 trucs d'initiative. Bon, on va taper lui, hein. On s'en fout. Par contre, faut que je me dépêche parce que j'ai vraiment plus beaucoup d'énergie là. Glow and energy. Shoot check if you have energy cell. Oui, j'avais de l'énergie cell. We should get to back immediately. Oui. Oui. Mais je peux pas. J'ai pas de cell. Faut se dépêcher. Donc ça on s'en fout, faut taper du coup, hein. Vite. Ah merde, il a fait 3 fois, hein, mais casse-toi. Vraiment, cassez-vous. Cassez-vous fort. Taunt. Ah, pourquoi là j'ai un truc? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir un truc? Taunt. Unit with stone force enemy to target them. Ok. Oh bah vas-y, target-moi, je suis le tank apparemment. C'est à qui? Ah bah vas-y. Provoking strike. Attaque-moi mon gars.
Vas-y, je m'en fous. J'ai du shield. Sinon, mis à part, t'as flanc de personne et prestance. Tu offres quoi? un petit resto Jap, parce qu'elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup manger ce qu'on appelle le tonkatsu, ce qui est de la dinde panée avec une sauce, on va dire, spéciale. Et comme son PC est en rade d'espace disque, je lui offre un disque dur ainsi qu'une manette d'Xbox 360, car elle n'en a pas pour ça. Pour son PC. Et elle aura, parce qu'elle veut absolument jouer à FF15 sur PC, du coup elle aura FF15 sur PC dans pas longtemps. C'est encore Noël. Allez, double shot. J'ai quoi? J'ai encore ça. 20% damage. Elle a déjà un SSD en fait, mais je vais faire un disque dur parce qu'elle veut un ou 2 Tera, tu vois, et bon, c'est cher quand même. Bim. Il va y passer. Faut pas déconner. Pourquoi FF15? Bah écoute, elle veut jouer à FF15, hein, c'est son jeu de la vie. Enfin, c'est son jeu du moment, écoute. Eh, c'est encore à moi? Bim! Monsieur va mourir. Shield bonheur. Astemporary shield. Point to an ally. For 2 turns. For 2 turns. Attends, je peux pas recharge shield. Ouais, vas-y. J'aimerais bien qu'ils attaquent le tank. Attaque le tank. Voilà, vas-y, attaque le tank. Faut l'inviter à flusher le zombie. Salut, sceptique. Oh là là. Monsieur a attaqué, ça fait mal. Single strike, donc je tue. Donc attends, là le galaxy, ouais, je vais tuer lui. Ah. Donc lui meurt. Donc là maintenant l'autre il est dans la merde. Ouais, je vais l'empêcher de. Alors attends. Moi j'ai fait disrupt. Hein. Un flic. Ah, je l'empêche d'utiliser des cartes. Ah, donc je vais l'empêcher d'utiliser des cartes d'attaque à distance. For 2 turns. Donc du coup, il va être dans la merde. C'est cool, ça. C'est très très cool. C'est très 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 cool. Et on va lui mettre la max. Oh, on va lui mettre la max pour le tuer. Là, je le debuff un peu. Ah! Non mais les mecs, apparemment, il avait pas le droit d'utiliser des range attacks. Pourquoi il l'a utilisé là? Niquez-vous! Avoir une femme, c'est une folie financière. Bah, non, quand même. Pas que. To stun. Attends. Ça va être à lui. Richard Shield. Voilà. Ça lui fera du bien. Apparemment, lui, il a vraiment envie d'attaquer le tank. Lui, il est pas content. Il veut le tank. Faut vraiment qu'on se dépêche là. C'est lent. C'est très lent. Bah, disrupt et. Bah, mêlée aussi. Je sais pas, c'était peut-être une carte mêlée. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Pim. Un petit taunt. Voilà. Putain, mais attends, mais pourquoi il peut faire des range attacks? Maintenant il a fait des. Enculé. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Oh, j'ai pas de carte, bien sûr. Alors, shield boost.
Richard, je vais recharger boost de notre cher tank, sauf que ce il va attaquer lui. Ça c'était sûr. Oh, j'ai pris 12, mais pourquoi il lui fait 12? Nick. C'est les cartes. Voilà, donc j'espère qu'on récupère la medium energy, parfait. Et une arme, d'accord. Alors, donc là, je peux peut-être récupérer de l'énergie. Is demon lifeless. Ok. Donc là, j'ai récupéré 30 d'énergie. Transmute broken energy cell into two energy. Ouais. Voilà. Et ça, les cartes, on s'en merde. Attends, on va pouvoir se barrer, non? Parce que là, j'ai 32 d'énergie. 10 si on se barre. Non, on va se barrer. Oh là, attends. On va se mettre... Ah putain, merde. Ah ouais, mais non, c'est pas le moment, les mecs, putain. Je veux rentrer. Bunch of lézards, prépare to fight. Merde. Bon bah, c'est reparti. Ah, je peux pas regarder si... on a récupéré, ok. Parfait. Ça fait quoi l'énergie? L'énergie, si t'as plus assez d'énergie, tu perds de la vie, j'imagine. Tu perds, je sais pas ce que tu perds, mais sûrement de la vie. Ah non, de la vie, là, j'ai pas récupéré. J'ai juste récupéré mon shield. Bon, là, ces bêtes sont pas l'air d'être super compliquées. Donc on va mettre la max. On va mettre la max. Non, on va mettre la max simplement. Non, pas détect vulnérabilité. Putain, j'ai cliqué sur le mauvais. Ah. Ah. Ouais, mais dépêche-toi, on s'en fout, je sais, j'ai compris. Lui, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre en debuff. C'est vraiment bien quand même. Damage résistance. D'accord, en tout cas, le tech, il lui en vole. Il lui en vole clairement. J'ai que de l'attaque. Toi, tu meurs. Voilà, un petit loot pour dire que je ne peux pas rester. Il n'y a pas de soucis, c'est petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va recharge le shield. Ah, d'accord, c'est parce que ça bougeait. De moi-même. Oh, 21. Ah, c'est bien. Tiens, attends, c'est qui a l'initiative? Est-ce que je peux passer devant? Ah. Dim. Là, je vais passer devant. Ouais, t'as, c'est toujours le tech qui prend. Hein. Calmez-vous. Après, c'est lui qui va passer. Tiens, on va faire un truc. Je vais disrupt sur lui et je vais l'empêcher de faire des attaques de mêlée. Est-ce qu'il va faire l'attaque où il va souffler et c'est une attaque ranged? Eh bien, nous allons voir ça assez rapidement. Bon. On va d'abord le tuer, je pense. Ouais, c'est Atlas. Mais je sais pas s'il essaye d'être aussi bien. Mais là, pour l'instant, ça va. Ça va, c'est pas simple à comprendre. Hein. On va dire que. On a vu mieux. Self. C'est moi, là, c'est. Ouais. Taunt. Force ennemi to target them. Ah bah tiens. Ouais, non, mais on va. Ouais, mais il va mourir, lui. Allez, il va mourir. Attaquez-moi. Ah, il a pas voulu attaquer. Ah, c'est parce qu'il avait plus de range attaque. Non, il avait plus de range attaque. Il avait que des melee attaques. Voilà. Salut Shinji. Des bisous. Donc, I am content. I am vraiment content because I have compris. Comment BZ? Comment tout BZ? Toi, tu prends.
Donc for two turns, hein. Encore un turn. Ah ouais, donc là il est mort en fait. Salut MG. Et lui bah, au revoir. J'ai bien joué. En plus petit critique. Et je gagne un truc de mêlée et une arme que j'utiliserai à un moment. Bon, il faut rentrer maintenant. Allez, on rentre à la maison. Oui, il y aura running late, machin, mais j'ai envie de rentrer à la maison, donc s'il vous plaît. Oui, j'ai compris, maintenant on rentre. Voilà, crew. Scanner. Close. Returns to station. Ouais, c'est un jeu en early access. Bon. Il faut l'avouer. Le jeu a l'air loin d'être dégueulasse. Secret of Mana sur PS4, j'hésite à le prendre. J'hésite à le prendre aussi, mais je pense qu'il sort sur PC. Donc je pense que mon ami. J'ai le tonton Skidro sera sûrement d'une aide incommensurable. L'interface est chargée, c'est vrai, comme disait Neswang, un peu peut-être pour rien. Le système de cartes, j'ai pas trop compris, on va aller voir l'équipement là, si on peut pas faire quelque chose. Le jeu donne quoi? Voilà, pour l'instant je sais pas trop. Pour l'instant je sais pas trop. C'est quoi le jeu à sympa? Est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes devs, c'est, je sais pas c'est qui les devs, bah attends, je vais pouvoir vous dire. Je vais ouvrir mon canard PC afin de vous dire qui sont les devs. Les devs, c'est Snowhound Games. Ils viennent de Finlande. Voilà, voilà. Et l'éditeur, c'est One Sea Company. Voilà, voilà. Mon jeu est tout en anglais. C'est un peu compliqué. Ah, tiens, ils se sont trompés parce qu'il y a marqué DRM Steam. Bah non, le jeu est sorti sur GOG. Donc tu peux l'avoir en DRM Free. Voilà. Le mec, il dit canard PC. Du coup, alors, j'ai récupéré de l'équipement. Est-ce que je dois me soigner? Oh, ça coûte du pognon. Et j'ai que 600, j'ai pas récupéré de pognon. On va soigner elle, mais lui, ça va. 5 pour 5 PV, tu vas tenir. Hein. Buy, sell, scrap. Donc je peux scraper. Non, ça c'est. Là. Ah, c'est mon inventory. J'ai récupéré tout ça? Mais quoi? Hein? Comment j'ai fait pour récupérer tout ça? Bon, on va quand même regarder. Donc, il y a un système de niveau, comme j'avais dit. Il y a un système de cartes. Et j'ai l'impression que ces cartes, quand tu les utilises, tu peux pas les... Elles se rechargent très doucement. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. Ah, attends. Non, non, je sais pas. Peut-être que tu peux taper que 4 fois. Et est-ce que je peux changer d'arme? Self-recharge, évidemment, qu'ils viennent de Finlande. Il fait noir dans le jeu. Voilà. Donc là, 11%, 12% extra shield damage, heavy strike. Et donc les dégâts que je vais faire ont un rapport avec la puissance que j'ai. Donc moi là, le mercenaire qui est fort en weaponry. On weaponry card. Ok, donc lui, si je lui mets ça. Pourquoi je peux pas? Power glove. Apparemment, je ne peux pas lui mettre la power glove. Pourquoi? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que il faut une arme de une range attaque, peut-être. Genre ça fonctionnerait. Oui, ça fonctionnerait. D'accord. D'accord. Bon, bref. Kinetic. Est-ce que ça, je peux... Non, il peut pas l'utiliser. Donc ça, c'est... d'accord. Melee weapon, et là c'est heavy melee. Ah, il faut une heavy melee. Power glove, ok. Donc elle, on s'en fout, elle est moins bonne que l'autre. On regarde. Attends, est-ce que j'ai un autre équipement? Light range, ouais, j'ai que des weapons. Scavenging tool, ok, donc ça.
Assault range weapon. Et elle, c'est range weapon. Mais pourquoi, je comprends pas, ça c'est une arme de mêlée. Pourquoi power glove? Ok. Si tu veux. Many tools. Ah, d'accord, donc ça c'est un tool. Et je fais quoi? Qu'est-ce que ça? Disrupt. Ouais, mais disrupt c'est nul. 7 de tech. Un moins 10 résistance for 2 turn on hit. Voilà, ça a l'air d'être compliqué pour pas grand chose. Bon, on va dire que ce que j'ai c'est bon. Kinetic level 1. Un for damage. Non, donc du coup ça je peux pas l'utiliser parce que c'est. D'accord. Et ça. Range weapon mode. Merci Coban. Une jeune accentue bien et plus les ombres. Mais là, on a un esprit sci-fi, pas dark fantasy. Oui. Bien sûr. Donc on n'est pas dans le truc, c'est super dark. Bien entendu. Drawing a card when shooting with linked core. Linked core. Ouais, mais j'ai pas de carte en fait. Ah, c'est un peu nul du coup. C'est pas une arme ça. Shilka. Ah, non. Non, bah du coup non, je l'ai pas. Bon bah apparemment je ne l'ai pas. Energy Blade. Ah mais il a une Energy Blade. Ah, est-ce que le Power Glove? Non, non, du coup non. Bah écoute, d'accord. Bon. Par contre mon énergie elle remonte comment? On ne sait pas. J'ai pas l'impression de savoir comment mon énergie remonte. Est-ce qu'on doit aller se reposer? Est-ce qu'on doit aller pas se reposer? Je ne sais pas. Bon, bah écoutez. Mon énergie n'est. Voilà. Bon, bah on va retourner à TOP. Hein. Refil énergie 92. Ah, mais j'ai pas gagné de pognon! Donc là, j'ai repris mon énergie, mais j'ai pas gagné de pognon! Ok. Bon, bah cette fois, on va aller par là, alors. Ah, merde. Putain de merde. Y avait rien à voir. Legend. Je sais pas ce que c'est. Search. Ah. De l'énergie, tant mieux. Donc on est d'accord que là j'ai masse d'énergie avec moi. Ah non, donc ce qu'il y avait tout à l'heure c'était ce que je pouvais acheter, pas l'énergie que j'avais avec. Ok. Trop bien, donc là il y avait quelque chose qu'on avait déjà vu. On va aller par là. Ok, c'est bizarre. Un méchant. Donc c'est une unité mécanique, donc ça je pourrais lui faire, je pourrais le taper. Bon là c'est bon, je commence à comprendre comment le jeu fonctionne, et ça c'est bien. Ouais bon, on va lui mettre 3. Donc on s'en fout, on va taper. Un petit critique. Ils attaquent le tank. Le tank, il doit avoir quelque chose pour prendre l'aggro. C'est pas possible. Je sais pas. Ils attaquent. Je sais pas. C'est celle de Madureira. C'est le mec qui a fait l'ADA de. Enfin, celui qui est responsable de l'ADA de Darkest Dungeon. Ou j'y suis pas. Deux de résistance en moins. Bon, sachant que c'est le tank, hein, autant taper. Hein. Et comme ça, il attaquera le tank. Hein. Voilà. Ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. Bah tiens, je peux le tuer directement. Oh putain, t'es sérieux? Are you serious? Il est mort. Et je récupère des parties de
d'un méchant. Ok. Petit scan. I spy. Ok. Un méchant. Hop, 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 hop. Calmez-vous. Calmez-vous bien. 20% de damage. Est-ce qu'on le met sur Ebb ou on attaque? 2 x 4. Bon, allez, on a attaqué. Evade. Oh merde, putain, il a des esquives. Culé, culé, culé. Culé, culé, culé. Disrupt. C'est lequel qui va attaquer? On va lui faire disrupt sur lui et on va l'empêcher de faire des range attaques. Ça lui fera les pieds. Ça lui fera les pieds. Et toi, du coup, tu vas essayer d'attaquer. Bim! Tu vas essayer d'attaquer le tank. Focus beam. C'est qui a attaqué? C'est lui? Mais. Ok, donc il avait une carte de mail. Ça, j'allais dire un Darkest Dungeon du futur. Bah, vie. C'est plutôt pas mal, hein. Ça va, c'est pas trop trop dégueulasse. J'ai eu un petit temps d'adaptation, mais on a vu pire. Hein. Stun unit skip this turn. Ah, ce serait bien ça. N'hésitez pas à loot, c'est important. Loot c'est. Mechanical unit. Option to stun. Ouais, d'accord, donc là, s'il est stunné. Il est stunné, donc là il attaque pas le prochain tour, ce qui est vraiment bien. Normalement. Normalement il est stunné. Il est stunné. Donc là je peux faire 6. Je vois pas. Ouais, bon. On va l'attaquer. Bim. Perdre l'initiative pour deux tours. On va faire perdre l'initiative à l'autre. Comme ça, il va passer tout derrière. Voilà, là. Il est stun, du coup, il attaque pas. Du coup, l'autre, il va pas attaquer tout de suite vu que je l'ai mis moins 5 d'initiative. Donc, je reprends un tour pour attaquer. Et ça, c'est très bien. Donc là, je peux tuer lui. Ou je peux complimenter lui. Comme ça, il fait bien plus... Ah non, non, je vais l'attaquer. Ça fait bizarre. Hein. Ah putain, il a evade. Quel con. Quel con de nom. Ah, il va pas le tuer. Il va pas le tuer. Oh, putain, t'es sérieux. Oh là là, t'es sérieux. Mais t'es sérieux. Oh, casse-toi fort. Mais casse-toi fort de bien. Bon, bah du coup, on va le tuer pour être sûr. Mais t'es sérieux? Headbutt. Ok. Donc, là on s'en fout. J'ai pas le choix. Bon, là, s'il vous plaît. Attends, attends. Où j'ai vraiment pas de chance, où les 20% d'esquive sont 200% en fait. Parce qu'en plus, mon énergie se consomme. Au bout d'un moment, ça commence à se voir. Recharge, non, ça va. Il a quoi lui? Disable two cards, three turn, disable confuse, one turn. Ok, bon, bah,
On va complimenter lui. Et lui, il va pas pouvoir attaquer. Richard Shield. Oh, je t'en supplie, tue-le. Je t'en supplie. Non mais il y a un truc en fait, j'ai pas lu là. Il y a quelque chose, ils doivent récupérer du il y a un truc. Il y a un truc, c'est obligé. Bon, je le fais une fois encore une fois. Enfin, je le fais encore une fois et si ça passe pas, niquez-vous. Niquez-vous bien. Ah mais attends, faut que je sais. Non, bah attends. Non, je préfère self-recharge. Non, recharge. Recharge, c'est mieux. Ah mais il attaque le tech là. Non, c'est bon. Ouais, je fais une dernière fois, si ça marche pas, je tape l'autre parce que j'en peux plus. Alléluia, 20%, 20% ça a fonctionné pendant 5 tours. Il y avait une chance, plus d'une chance sur 3. Même plus, une chance sur 4, même plus, une chance sur 5. Ok. Ok. Titi. Alors tiens, il va passer en derrière. Tu passeras derrière. T'avais une chance sur putain de 5 et il a quand même réussi quand même. Je suis pas énervé. Merci pour ton tip Nimelia. Il y a pas de loot ça en attente. Vous pouvez y aller. Ne faites pas les timides. Je sais que vous ne l'êtes pas. Je le sais, je vous connais. Tiens, complimente-le, j'adore tes compliments. Il me met vraiment très bien. Et normalement, je le tue. Sauf si il evade. Attention. C'est bon. Bah putain, nique-toi bien. Bon bah du coup, comme j'ai perdu, je vais récupérer mon énergie. Hein. Donc ça, je vais le broken pour récupérer aussi 2 d'énergie. Et puis on y va. Ça fait combien de temps là? Une petite heure, non? 47 minutes. Bon appétit. C'est vrai que c'est l'heure de l'appétit. Eh bien, bon appétit à toi, Neswang. Et on continue. Ah, c'est des gens dégueulasses. Fait donc look like happy. Enfin, donc look happy. Oh! Laisse ma bite! Ah, qu'est-ce que je suis drôle! C'est qui l'attaque là? Il y a pas d'evade lui. Non, il a pas d'evade. Donc. Nani? Bonjour Batman. Bim. Voilà. J'en fais du saucisson. Petit sauce. Alors, on va faire en sorte qu'il m'attaque. Viens, je te taunte. Je te taunte, petit saucisson. Est-ce qu'on peut pas lui faire un petit hacking, non? Ah bah attends, c'est trop bien. Il y a pas disrupt, j'ai pas disrupt shield boost, non. Recharge, non. Ouais bah allez, hein, tiens. Je te boost. Pas j'entends des phrases comme laisse ma bite. Bah oui, ça il m'a bite. Donc du coup, qu'est-ce que c'est drôle. Rigole. Hmm.
On s'en fout là en fait. Où tu vas attaquer? Ah mais t'es sérieux? Boum. Salut SDFF7, comment tu vas? Et j'ai récupéré des intestins, hein, bien entendu, j'adore les intestins. Donc j'ai 56, sachant que pour revenir je vais avoir besoin de 15, on est dans la merde. Mais bon, on est là pour... Ouais bon, on sera obligé de revenir. Ah par contre c'est très chiant parce que... c'est très chiant. Allez. Oh la musique elle change. On est bien. Putain, petite musique de... Je m'y attendais pas. Il a déjà pris du... Oh, je sais pas ce qu'ils ont contre le tech, hein, mais il vous a rien fait le tech, hein. Calmez-vous. Hein. Alors Inspire, j'utilise pas beaucoup. Gain plus 11 to energize. Extra card can be played during a single turn. Ah! On va essayer d'inspire. Peut-être que ça va. Oui. Ah, j'ai inspiré. Attends, j'ai eu 11% d'utiliser une. Enfin, de. Oh! Oh! Oh, oh là là! Il y avait une chance sur 10 de draw une nouvelle carte. Enfin, de taper une deuxième fois. Et j'ai eu la chance. Oh là là. Ou j'ai mal compris la carte. Ah merde, je suis confus. Oh, il est confus. Il a utilisé une carte tout seul, il est confus. Alors, c'est qui va attaquer? Il n'y a pas moyen de leur... De les chauffer contre moi, là. Tiens, vas-y, viens. On va te chauffer, tiens. Vas-y, tape là. Salut Mado! Mais non, arrête, laisse le tech tranquille, putain, il t'a rien fait. Ah, l'autre il a pas attaqué? Ah, parce que je lui ai mis un bash. Putain, je suis con, je lui ai mis un bash. Ça fait un taunt, mais en plus ça delay son attaque. Il charge. Non, ça va. Shield boost. Single shot. Evade, casse-toi bien. T'as l'air d'être dans les jeux de cartes. Si Feria. Oui. Feria. Oui, j'ai déjà testé. Bah, je suis dans les jeux de cartes, oui. Oui, c'est vrai que oui, ouais. C'est vrai. En ce moment là, c'est la session jeu de cartes. C'est une grosse session jeu de cartes, j'aime. Alors, inspire, c'est quoi? All friendly. Enfin, tout le monde draw une carte. Et il gagne 11% to energize. Et critical. Ah non, attends. Il y a plus 1 de critique. Et moi, j'ai 100% de chance to energize 1. Donc, attends. Si je recommence inspire, moi, je peux du coup. Non, du coup, je peux pas. Du coup, il n'y a pas 100%. Ils ont une nouvelle carte, mais il n'y a pas 100%. J'ai déjà fait du Hearthstone. Non. Bash. On va bash lui. Ça y jouera plus tard. Voilà. Bim.
face. Bon, jamais il le touchera. 3 x 2, ça fera 6. 3 x 2, 6. Hein. C'est assez ouf quand même pour être dit. Je sais calculer. Il a quoi l'initiative? Ouais, on peut pas l'initier. On peut pas l'initiater. Alors attends, stun target mechanical unit. Attends, j'ai peut-être un truc là. Si je stun lui. Comme ça, il attaque pas. Bim. Et là, Et là, je fais un coup critique. Y'a pas de bash, j'ai plus de bash, non. Coup critique sur sa face. Et on est bien. Non. J'y ai cru, mais bon. Bonjour Percy, comment vas-tu? Donc là, vu qu'ils ont 20% d'evade, ces petits fils de flux là, je crois. Non, lui, ils ont pas 20% d'evade. Parfait. Donc comme il a pas 20%... Ah si, il a 20% d'evade. Oh, il a... Putain, mais c'est pas possible. Non, il y a un... Les pourcentages japonais, j'en peux plus. Il doit avoir une capacité qui fait que à 1 PV, ils ont plus d'invade. Ils ont plus 80%, mais dites-moi la vérité. J'ai le droit de savoir. Pardon. J'ai le droit de savoir. Il va invade encore et ça va m'énerver. Il va evade, pardon, pas invade. Invade, ça veut pas dire ce que je voulais dire. Ah ouais, mais ça va. Ça va, c'est cool. Je bouge mon corps, tout va bien. Alors, est-ce que je le débuff? Allez. Tu vas mourir. Headbutt disable two cards. Je m'en fous. Ah merde, je suis con parce que du coup, je lui avais mis un vulnérabilité, mais il a fait deux tours. Donc en fait, ça a servi à rien. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà. Et vu que je n'ai pas beaucoup de chance, là, il y a 100% de chance que ça evade. 100%. Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ok, bon, il y a des blagues apparemment. Alors, j'ai gagné Destroy Weapon, not even useful as a club. Voilà. Et de l'électronique. De l'électronique junk. Voilà. Alors, par contre, là. Ah, faut que je rentre là. Faut pas prendre des risques. Allez, on prend pas de risques, on rentre. Allez, plus vite. On rentre et on va aller faire une petite pause. Alors voilà, donc là pour moi il y a un problème. Voici le problème du jeu, ou alors je ne l'ai pas compris, ou alors ce jeu est extrêmement difficile. Salut Nenaska, bonjour à toi. Donc là, ça fait deux missions que je fais. Enfin deux missions, deux sorties. Et il semblerait que je n'ai toujours pas récupéré du pognon. Je pourrais vendre ce que j'ai récupéré, sauf que si je vends tout, ça me donne que 51 crédits. Ou alors parce que t'es nul, peut-être. Alors ça, on n'en avait pas besoin, ça non plus. Ça, ça avait l'air d'être bien. Ah mais il a que Disrupt, et Disrupt, je sais plus qui il a. Moins 10. Damage résistance. For 2 turns on hit.
Attends. Returns, open PDA, inventory. Je prends mon tech. On est d'accord que c'est là. Et celui que j'ai, il recharge shield. Et là, moi, je peux gagner disrupt. Mais il y a moins 10 damage résistance. Donc en fait, c'est nul. Quand tu réfléchis bien. Junk item useless. Oui. Je l'ai. Ah! Ah, en fait, ce que tu veux me dire, gars Bulbidi, c'est que si je sell all junk, en fait, il va sell tout ce que je peux pas utiliser. Enfin, tout ce qui ne sert à rien. Bien entendu. Malin. Merci. Bien sûr, moi, elle a dit aussi. Je croyais qu'il disait all junk, c'était tout, quoi. D'accord. Donc ça, j'en avais pas besoin. Enfin non, ça, je sais pas l'utiliser. Ça, Stunning Blow. 70% weapon damage to a target, plus 100% chance to stun for one turn. C'est bien ça, dis donc. Petit Stunning Blow, c'est pas mal. Hein. Bon, attends, on va regarder parce que y avait des trucs pas mal. Est-ce que... Il est où mon tank? Mon tank, il est là. Mais mon tank, je crois qu'il veut pas... Ah si, il veut prendre ça. 6 damage, 7 damage... Mais en fait, c'est bien. Pourquoi je l'ai pas changé? Peut-être parce que... Initiative 3... Attends, ça c'est initiative. Ça doit être... incorporé. Enfin, ça doit être... voilà, t'as compris. Mais j'ai plus de... Single strike, heavy strike... Attends, je veux regarder les cartes. Non. Je veux regarder les cartes. Bon, si je le mets là, je peux regarder les cartes. Non, je peux toujours pas. Non. Ah, je peux regarder les cartes en bas. Donc maintenant, j'ai Stunning Blow, Heavy Strike, 210% Weapon Damage, plus 5% de Stun for a Turn, 5% et 5% de chance, tout moins 2 initiatives. Ah, alors que l'autre, c'était mieux parce que Bash, il avait directement moins 5 d'initiative. Mais j'avais que des single strike. Dommage. Bon, c'est pas grave, je change quand même. Bonjour Thanatos. Rien que la carte coûte 70 à ce que j'ai vu. Du coup, finalement, on en revient toujours au même. C'est difficile quand on lit de travers. Alors, tout à fait. Mais vous pouvez pas dire quand même. Salut Fukushiman, je ne t'avais pas vu. Vous ne pouvez pas dire. Merci Shinji pour les loots. Alors, qu'est-ce qu'un loot, dis donc qu'est-ce qu'un loot, Jamy? C'est très simple. T'écris un message. Un message drôle. Moi, je le lis. Et je gagne du pognon. Et toi, bah, t'es passé sur le stream. Comme ça, t'es sur la VOD et t'es là pour toute la vie. Tu te rends compte? Tu n'es même pas un message dans le chat. Tu es un message sur la VOD. Tu es un message sur la vidéo. Tu existes. Tu es vraiment vrai. Tu es frais. Voilà. De mon tech tool, j'en veux pas. Est-ce que je peux le mettre là, mon tech tool? Oui. C'est ce que je vais vendre. Donc ça, je peux pas. Parce que c'est pas un heavy melee. En fait, moi, je prends que des heavy melee. D'accord. Ok. Donc là, c'est juste un melee weapon. Et personne n'utilise de melee weapon. Ils utilisent que de la heavy melee. Là, c'est light range weapon. Ouais, mais c'est pareil, light. Ah, lui, c'est un assaut. Non. Et elle, c'est un light. Bah voilà! Tu pourrais l'utiliser. Mais qu'est-ce que t'as? Level 1. Pourquoi tu peux pas utiliser un light range weapon? Ah, c'est un mode? Ah, c'est un mode! C'est un mode! Oh, c'est un mode! Oh là, moi, pourrais me dire, mais dis donc, sapin, tu lis de travers, enculé! Salut, make it good. Make it good. Ah, c'est sympa. Gros pseudo. Pas mal. Donc ça, c'est des mods. Attends, peut-être c'est un mod, ça. C'est un melee weapon. C'est un mod. C'est un mod. Donc il se fout là, putain, tu as tout compris. C'est un mod qui me permet d'avoir plus 10% stagger. C'est quoi stagger? Et ça me rajoute des cartes. Ah, alors attends. Ça me rajoute des cartes, mais
ça fait en sorte que aussi je n'aurai pas mon self recharge. Donc c'est bien, mais aussi ça peut être pas bien. Donc c'est quoi le provoking strike shockwave? Eh bien je vais très bien, make it good. Et toi comment vas-tu? 75% weapon damage. Stagger. Bon, stagger. Je suis sûr que quelqu'un là dans le chat va me dire ce que veut dire stagger. J'aurais jamais dit ça. For one turn to. Oh, initiative. For one turn to primary target and. Ennemi adjacent. Bon, je vais pas prendre le mode en vrai. Parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Du coup, ça, je vais le vendre. Ça, je vais le vendre parce que Power Glove, non, non. Et ça, Scavenging Tool. Stagger, ça veut dire trébucher, tituber. Donc, c'est un effet, je pense. Mais je vais pas l'utiliser. Mais je vais le mettre là, quand même, on sait jamais. Je l'utiliserai peut-être. Mais là, je vais vendre. Ça, c'est ce que je vais vendre. Tool, tool. Il a deux tools. Ah, d'accord, c'est des cartes en plus. Est-ce que ça peut aller là? Le un scavenging. Alors, craft supply. Draw 3 cartes. Choose 1. And discard. Ok. Temporary cover. Deploy a cover that protects the user. Cover health 20. Oh, c'est bien ça. Ok. Et oh, il y a une bombe. D'accord, et là, tool, les deux tools que j'ai, lui il a Disrupt et Hacking, et lui il a Recharge Shield. Et lui il a Recharge Shield, donc il a Rechargir. Parfait. Donc j'ai posé Rechargir. Rechargir. Échelonné, ouais. Je ne connais ce jeu, tu peux m'expliquer dans les grandes lignes. Est-ce que tu connais Make It Good, est-ce que tu connais Darkest Dungeon? Si tu connais, c'est à peu près pareil. Si tu connais pas, c'est un jeu où c'est un roguelike, où tu as une équipe qui est générée aléatoirement, une équipe de clodos de l'espace, voilà, qui doit remplir des missions qu'on te donne. Et quand tu quand on te donne, donc quand tu vas sur des vaisseaux pour les explorer afin de récupérer ce qu'on t'a demandé, et tu tombes aléatoirement sur des monstres et tu combats avec un système de cartes. Voilà. Pause recharger. Pause-le, je te dis. Voilà. Donc voilà. Et le mode pour la dame, parce qu'elle a un tool. Donc ça, 10% de chance de drawing guard when shooting with linked core. J'ai un shield core. 13% énergie. Oula. Non, c'est bon, ça n'a rien changé. Parfait. Donc, on va close. On va aller vendre tout ce que j'ai. Ah merde, c'est pourquoi ça a arrangé là. Bon, ça, le power glove, j'en veux pas. Ça, du coup, j'en veux pas. Plus. Lui, j'ai dit que je le voulais pas parce que Disrupt, je l'avais déjà. Et ça, je garde. Donc, j'ai récupéré du pognon. He's cool. Et avant de repartir, j'ai de la vie. On va faire une petite pub de 5 minutes. Il y a un nouveau sondage Twitch. Je l'ai fait ce matin. Ça donne 0 bits. Voilà. Et ça m'a pris 10 minutes. J'ai gagné 0 bits. Et maintenant, ils ont beaucoup plus d'informations sur moi. J'aime bien il est pas mal le côté comique. C'est assez joli. C'est assez joli. Donc à tout de suite. Ne quittez pas. On revient. Pub. Voilà. Heureux. Désolé. Désolé. J'étais en train de lire un tweet. Un tweet super, super important. Tellement important. Que je vais vous lire. JPP, je suis à la moitié de... Oh là là, Nymellia, putain, j'en peux plus. Je tiens à vous dire que Nymellia joue plus à Céleste que moi. Vraiment, moi, je joue à Céleste en mode normal, tu vois, franchement. Ça va, hein. J'ai joué à Céleste, mais je joue à d'autres jeux.
Nemelia, elle ne fait que jouer à ce jeu. On est foutus. Thanatos, je crois que t'as raison. Je crois que t'as raison. On est foutus. Cocagnon a lancé une fatwa après mes déclarations sur le caramel Burset, donc je m'astiens. Ah, tu sais, ce n'est pas grave. Moi, le caramel au beurre salé, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça se mange, mais bon, voilà, c'est sympa. Mais bon, c'est genre, à chaque fois, le truc au beurre salé, c'est génial. Ouais. Ça va, les mecs, vous pétez un câble. Donc, notre cher Pippo Mantis, je crois... le cher Pippo Mantis, je viens de retweeter dans le prochain Canard PC, ça va parler de Céleste et de Remnant of Naezoth. Et sachant que Remnant of machin, là je vais y jouer. Je vais y jouer en stream, bah, peut-être là dans pas longtemps. On va peut-être essayer de finir la mission. Ah mais il est déjà 12h50. Ouah putain, il est déjà 12h52 les copains. Bah merde. Je vais supprimer la chaîne. Pff, de toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai osé dire que le beurre salé, c'était sympa sans plus. Et voilà, j'ai que des problèmes de toute façon. J'ai plus rien de droit de dire finalement. Finalement, j'ai plus rien de droit de dire. Il est stylé, Remnant. Eh ben, moi, envoie un mail pour récupérer une clé. La clé, je l'ai récupérée en 2 minutes. Montre en main. J'ai envoyé le mail. 2 minutes après, j'avais le mail du mec, genre, ok. Essaye de récupérer une clé. Moi, j'en suis sûr que tu pourras y arriver. Tu dis que t'es partenaire Twitch, ça passe. Salut, Super Steden. Je t'ai pas dit bonjour. Allez, du coup, on continue. On s'est soigné. On doit toujours eh bien, continuer notre investigation à Tepo. Voilà. Donc, je lâche et je baisse un peu le son. Voilà. Encore une fois, très belles emotes, Super Stéphane. Alors, maintenant, ce qui est super bien dans le jeu, en fait, c'est que j'ai l'impression, parce que j'ai déjà, parce que j'ai déjà visité, et bah, du coup, j'ai plus besoin de visiter, j'ai plus besoin de taper ce que j'ai déjà tapé. Et ça, c'est plutôt bien. Salut, je dis. T'es arrivé pendant la pub. Sache que tu n'avais même pas, on s'était même pas parlé déjà que tu m'as gentiment. Tu m'as gentiment aidé à gagner ma vie. Alors rien que pour ça, merci. J'ai 3 viewers. Mais essaye. Moa, s'il te plaît, essaye. Si ça marche pas, ça marche pas. Et si ça marche, c'est cool. Allez, on revient là. Elle est mèche, hein. C'est un vacuum. Un petit aspirateur. C'est un aspirateur. A single shot. Au pire, tu menaces. Alors, cover. Est-ce que ça me cover que moi? Dites-moi si le son il est bon là. J'ai l'impression qu'on s'entend pas trop là. Est-ce que je dois augmenter le son? Ou est-ce que je dois le baisser? Sur un malentendu, ça pourrait passer. On est d'accord? Je pense que je vais me cover. Le son est trop fort. Je baisse le son. Stunning Blow. 100% de chance de le stun. Qu'est-ce qu'il dit? Mets le doigt dans la prise. Single shot. Non, allez, je suis un fou. Single strike. Et en plus, bah, il va pas taper, donc... Pim. Et là, tu peux pas.
Donc ça, j'y suis déjà allé. On va aller là. Ok. J'aurais peut-être dû acheter de l'énergie quand même. Alors par contre, jeu vidéo. Alors attends. On peut bouger la caméra. Combien pour revenir? 24. Est-ce que j'ai pas, j'aurais dû acheter eh bien de l'énergie. Salut Gorotte, des bisous. On fait ça sur 3 ans, ensuite on rachète Obedia. Et salut Max. Donc là, hostile, il y a des hostiles. Power generator, il faudrait peut-être qu'un jour j'achète un power generator. Oh, des cobras. Vorlenos d'Inagea. On tape. Ah, ils sont bien faits, hein, ce style. Franchement, bonne DA. À quand le jeu sort sur Switch, hein? J'achète direct. Double shot. Fire to shot. Ok. Ok. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait vraiment mal. Va falloir les calmer, eux, hein. Va falloir les calmer. Shield boost. Non. Attends, peut-être que lui... active effect. Lethal hit 5%. Ah, il y a un lethal hit, genre on peut potentiellement avoir 5% de chance de tuer en un coup, peut-être. Je ne sais pas. Salut Taptabi. J'espère qu'ils le sortiront plein pot quand il sera à moins 110 sur Steam. Pourquoi? Baisse ton micro encore. Ah non, non, mon micro maintenant, il a la parfait. Il a le son parfait. J'écoute mes VOD parfois pour vérifier si le son et la vidéo est bonne. Là, c'est parfait. La prochaine chose que je ferai, c'est que j'achèterai une caméra de folie. Et je ferai en sorte que mon stream sera en 1080 60 fps. Bim. Comme ça fera des VOD à la Atomium. Et vous savez que j'adore Atomium. Single strike, self recharge. Non, vas-y. Pim. Ok. Spurred shot. C'est quoi spurred shot? Il s'écoute, ce streamer est narcissique, ouais. C'est ça. N'hésitez pas à loots, hein. Là je vois des loots, mais ils passent pas parce que vous savez pourquoi c'est de la merde. Non, vous savez pourquoi ça passe pas parce que loots parfois c'est ça bug. Loots. Ouais, faites des loots s'il vous plaît. Faites pas vos pus. Hop. Des bisous Shinji, bon appétit, bon après-midi. Vive la crème fraîche. Oh, bon. Les deux profils en dessous, en dessus, derrière quoi? Achète plusieurs caméras qu'on te voit sous tous les angles. Non, parce que sinon après si on me voit derrière ils vont faire hein. J'ai une question. Pourquoi t'as pas trop de cheveux derrière la tête? Ouais, il parle comme ça en fermant les yeux. Et ce n'est pas une mauvaise imitation d'une personne asiatique. Bon, je vais temporari me couver. Alors, Inspire. Alors, Inspire, c'est bien. Mais, je sais pas si c'est ouf. On va...
Alors derrière la tête, c'est où il y en a plus. Alors, comment t'expliquer? Voilà. Comment t'expliquer, Animelia? Ah, c'est... Ouais, bah de toute façon, je provoque King Monsieur. Pile dans la tête. Ah voilà, t'en sûr, hein. Montre-nous. Oh, bah non, je peux pas vous montrer. Non mais, oh. Provoking Strike, Taunt, One Turn. Ah, c'est la taunt pour tout le monde. Donc du coup, il va attaquer. Ah, parfait, parfait, pas... Perfect. On va complimenter. Non, on va mettre la max. Hein. On va mettre la max pour le tuer quand même. Tous les racistes. Non, mais il est pas raciste. Recharge shield. Rechargir. Vite, rechargir. Aide-nous. Ouais, Richard. Oh. Heavy strike. 5% de stun, 5% d'initiative moins 2, 5% de tout. Il a rien pris. Draw 3 cards, choose 1 and discard the other, energize 1. Energize 1, donc je peux utiliser, je peux, alors. Disrupt, scrappy bomb, oh. 2 base damage per instance to target, vas-y. Je prends et du coup là j'energize. Oh c'est bien ça. Et je complimente Abe qui va... Attends, je complimente pas, je peux me self-recharge mais je vais le complimenter en lui faisant des petits bisous. Nick ! Non mais c'est bon, t'es mort. 100% de chance de te stunner, donc en plus, voilà, stun, voilà, t'es mort. Nimelia, tu demandes des trucs bizarres parfois. Oui, elle est bizarre, Nimelia, parfois. Mais vous savez... Ouah, wow, datapad. Alors, on va lire ensemble, en anglais, le datapad. An open journal, Serafima. Working mirror world. A special work permit. Skill were so good. Ok. Ok, donc là c'est une description apparemment eh bien de quelqu'un qui s'appelait qui est mort. D'accord. The sweet machin nani nanana. What Oh oui. Regardez-moi. Regardez-moi me gratter langoureusement la joue, ou les joues. D'accord, donc là ça parle après d'une station, oui on s'en fout. Ok, bon, rien d'intéressant en fait. Rien d'intéressant, je prends le datapad, peut-être c'est à quelqu'un qui l'a perdu, ou j'en sais rien, c'est peut-être, bref. Un peu d'engrais pour le sapin, oui. Lutze, bien entendu. Et j'ai là une Energy Blade. Je prends l'Energy Blade. Level up! Ability points à la balle! Two ability points. Donc qui? Tout le monde? Ouais. Donc là j'ai gagné 10 en weaponry. Et 10 en damage résistance. Et je peux rajouter des points pour que mes. Pour que mes provoking strike soient plus fortes. Et ils font 110. Mais est-ce que mes provoking strike sont ont à voir avec mon personnage ou ont à voir avec eh bien mes armes? Apparemment avec mon personnage. Il semblerait. Oui. Ouais, donc je vais augmenter mes provoking strike et ça m'en donne une de plus d'ailleurs. Attends, j'en mets un là. Et je vais... Du coup,
faire deux fois. Donc là, j'ai 4 provoking strike du coup. Et elles ont 100, elles font 125%. Alors par contre, le problème de tout ça, c'est que du coup, ça va augmenter de 2 cartes. Oui, elles font 11, mais du coup, j'ai 2 cartes en plus qui va diluer quand j'ai besoin de self recharge. Je vais avoir moins de chances de tomber sur self recharge. Mais là, j'avais pas d'autre possibilité que de mettre mes ability points. En fait, apparemment, les ability points, ils vont que là. Peut-être. Ah, ma bille. Ah. Ah. Oh. Oh. Dommage. Personne ne veut voir l'arrière de sapin. Non, mais attendez. Non, mais t'imagines si en stream, je me retourne, on voit ma tonsure. Ça va m'énerver. Parce que les gens sont généralement, eh bien, comment dire, pas tendres. Et du coup, c'est comme si je te demande, écoute, lève-toi et montre-nous tes fesses. C'est pas grave, on a tous des fesses, mais personne n'a envie de les montrer en public. Et ben moi, c'est pareil, c'est un peu mes fesses. Pardon. Donc dit mental, j'ai du mental à mort. Ok, donc là ça me permet de Mais attends, c'est nul parce que pourquoi là je peux faire moins? Non, alors attends. Donc level plus 3 en initiative. Ou alors, c'est pas. Enfin, mettre 72 en initiative, c'est pas ouf. Plus 10 en mental, mais qu'est-ce que le mental fait en fait? Ah. Mon mental, tech, mental. 21 more powerful, mental card buff. Duration mental card. C'est ça les cartes mentales? Shield core, energy blade. Ah, elle a une energy blade elle? Ok. Ah, bah oui, elle a une energy blade, elle faisait ça. On va s'arrêter là, quand on parle du plombier. Non mais c'est bon. Rigolez, j'ai fait une bonne blague. Vous pouvez rigoler. Je pense qu'on va mettre en initiative là. Et là c'est quoi? Inspire. À 22% de chance de energize. Critical, one card. Ah d'accord, ok. Donc je vais prendre ça et voilà. Et pour le mercenary. Oui, pour le, non pas pour le mercenary, le tech. Plus 10 de tech. Alors j'imagine que ça va augmenter les tech cards. Et les tech cards, ça doit être ça, les disrupt, les tech cards. C'est dommage parce qu'il te dit pas en fait ce que sont les tech cards. Ouah, merci! Merci beaucoup, Tomanto. Je pense qu'on a tous perdu nos oreilles. Merci pour le resub. Des bisous. Je vais rebaisser mon son. J'ai perdu l'audition. Salut Narulok. Ah, c'était pas agréable. Mais c'était très agréable. C'est marqué en dessous de la card. Maintenant, scavenging tool. C'est en fait ce qui est marqué là. C'est quel objet ça donne. Quel objet donne cette carte. Et ça, c'est tech tool. Mais ça, c'est les tech cards. Tech tool et tech card, c'est pas pareil. Parce que là, c'est un tech tool. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que les tech cards, c'est ça. 20% tool mode stat. Tiens, je vais mettre ça et ça. Comme ça, en gros, si j'ai des tools. Enfin, si j'ai des modes, ça sera bien. Pour ta question de 1, je pense que ça correspond aux couleurs de la carte. Oui. Je pense également. Allez. On continue. J'open mon PDA. Et on va là. Search. Oh. Energy. Trop bien. Donc là, il y a des mushs. Hein. Il y en a deux.
Mais je vais partir par là pour en fait pas les taper, d'accord. Bon, il vient de me taper. Prepare to fight. I am prepared to fight. Ça y est, je parle bien en anglais maintenant. Donc un petit inspire. Bon, j'ai pas eu de Ah si ! Ah, j'ai eu un petit energize. Yes. Parfait. Single, ok, 100%. On va taper lui, il va mourir avant. Un petit coup critique, des bisous Thanatos. Et bien sûr, les loots. Dabudi dabuda, je vois que ça loot se dure. Merci pour vos loots, je vais les valider parce que si je ne les valide pas, ça ne fonctionne pas. Oh, c'est... Il y a Nintendo France, ils font un concours, il faut faire une déclaration d'amour. Et pour gagner, de tenter de gagner Nintendo Switch et des jeux. Oh, bah on va le faire. Une déclaration d'amitié geek. Oh, bah ça vaut le coup, vu que c'est le jour de l'amour. Ken a droit à sa pub. Sur S1, bah c'est normal, non? Il participe à... Il a quand même pas mal participé à la chaîne, si je comprends bien. Alors, attends, je vais... Donc là, je vais pouvoir utiliser deux cartes. Burst Fire, Hacking. Attends, Hacking, c'est bien. Et là, je peux réutiliser. Donc, je vais chercher Hacking et je lui mets Hacking dans la face. Hop. Voilà. Je peux utiliser encore ? Craft supply, one card to play, one turn. Ah oui, parce qu'en plus je peux... Ah putain, oui. Oh là là, c'est bon là. C'est bon, je suis bien là. Alors, pas besoin de deploy. On va juste lui mettre dans la face. Il a son émission, mais ça fait bizarre. Il a des poses de mec de la TD. Genre, t'imagines Hanoun. Non mais oui, bah écoutez, c'est la télé. Mais c'est bien, c'est bien. Ken, il en a chié toutes ces années. C'est un bon retour des choses. Et je suis très content pour lui. Et j'espère qu'il ira le plus loin possible. Je suis content pour lui. Alors, il y a de la taunt. On peut taunter apparemment. On va taunter, hein. On va taunter le monsieur là. Attends, quoique. On peut peut-être tuer lui. Voilà. Donc attaquez-moi. Donc la taunt, c'est pour tout le monde, hein. Ouais. J'ai tout turn de taunt. Est-ce que ça compte one turn quand je tape avec elle du coup? C'est la question. Ah putain, ouais. Ça j'ai nul. Alors normalement, là, si ça compte, j'ai plus. Ah, c'est deux turns, mais les miens. Ah, je suis confus. Merde. Ouais. Ok. Ah bah ouais, donc quand t'es confus, tu fais n'importe quoi. Donc, bah ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, bon, allez. Ça a pas l'air super clair. Non, c'est pas très clair. J'ai mis un petit moment à comprendre. Mais maintenant, ça y est, j'ai compris. Oh, mais casse-toi avec ton headbutt, là. C'est bon. Donc, lui, je vais pas le disrupt. Parce que de toute façon, il se buff pas. Pas besoin de... Oh, si, je vais recharge. Je vais rechargir. Un petit Richard. Je provinquien. Bim dans ta face. Ah merde, c'est chier. Il a quoi là? Ok, donc là il a plus de carte d'attaque lui.
Il a plus de carte d'attaque, donc ça va servir à rien. Ah, lui aussi, il a plus de carte d'attaque. Est-ce que du coup, ça recharge? Il y a des trucs que je comprends pas trop, j'avoue. Hein. Il y a des trucs qui sont pas clairs. Parce que si je complimente Abe, comment ça va se passer? Donc là, il va attaquer lui parce que, ok, il a l'aggro. J'ai encore l'aggro pendant un tour. Ah bah voilà, là ça a rechargé. Ça a rechargé encore une fois. Ok. Et normalement tu meurs. C'est bon. Je comprends pas trop comment ça marche. Il va dire Céleste c'est mieux, c'est pas clair. Ce soir Céleste, non pas de Céleste. Pas de Céleste. Par contre, là, pour revenir, j'ai 26. Alors, bon, ça va être le problème. Je sais pas comment ça va se passer. On va faire ça. Donc là, j'ai 27 d'énergie. Pile ce qu'il faut. Est-ce que l'autre, il va venir m'embrouiller. Meatbags. Ah, fait chier. Ah, merde, fait chier. Bon, faut aller plus vite, là. Faut aller plus vite. Ça m'emmerde. Hacking. Sort mechanical. Hop. Petit hacking pour qu'il soit stun. Enfin non, qu'il soit stun. Du coup, il n'y a qu'un qui attaque. Quoi? Ripping strike, bleed 2, free turns. Oh non! Oh, le mec, il est passé sous mon shield! Oh, le mec! Oh, le mec! Faut que je taunte. Oh, bah non, s'il passe sous mon shield, ça va me faire chier! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, faut les tuer vite. Faut les tuer vite. Allez, toi, tu meurs. Est-ce que je peux avoir la Scrappy Bomb? Ah, pas de Scrappy Bomb. Petit Shield Boost. Petit Shield Boost. Allez. Hop. Ouais. Vacuum Shot. Stagger. Donc en gros, Stagger... tube avec une petite titubée, en fait je sais pas, stagger ça a touché au tour, donc stagger, pas trop compris qu'est-ce que ça fait stagger du coup, mais bon écoute, 100% de stun. Ah bah écoute, tiens, ça te fera du bien comme ça, au moins là je suis sûr de te tuer. Alors hop, toi tu prends. Toi, tu prends. Tu meurs. Donc là, je suis ce qu'on appelle, ce qu'on dit dans la merde. Parce que j'ai pas assez d'énergie pour revenir. Je pense que je vais perdre de la vie. Parce que là, c'est pas assez. Ouais, c'est pas assez. Bon, bah, c'est pas grave, on perd de la vie, hein. Plus vite! Est-ce que. Oh, right click to stop. Pas trop emballé, bah des bisous. Use small energy. Quoi? Quoi? Attends, j'avais une petite... Bah non. Comment est-ce possible? Tu avais drop une selle de 10. Ah oui. Ah oui, putain, mais je l'avais pas vu. Pourquoi elle était pas là? Pourquoi je l'ai pas vu? Pourquoi elle était pas là? Pourquoi j'ai pas vu? Si, je l'ai vu. Bon, tant mieux. C'était tout juste, hein. Ils disent tout juste.
Il tease vraiment tout juste. Non. Ah merde. Time for me to go. Ouais. On s'en fout. Leave. Leave, monsieur. Leave me alone. Open PDA. Inventory. Waypon. Attends, mets tout. Mets tout. Tout, tout, tout. Core, mode. Ah, il est mode. Attends, attends, attends. Je veux tout. Je veux tout. Ah, je pense. Voilà. Hop, c'est bon, j'ai tout. Oui, parce que j'ai le datapad. Ah, c'est parce que j'avais cliqué comme un débilos. Débilos. Assorange. Tiens, Assorange. Un cul orange. 10% chance. 11% recycle. 30-60 weapon damage per shot. C'est pareil, ça dilue un max. Là, t'as beaucoup de cartes attaque. Elle. Ouais, mais parfois, elle a beaucoup de cartes inspire quand même. Hein. Je sais pas comment ça se passe encore. Hein. Je sais pas si c'est bien de mettre ça. Je sais pas si. Écoute. Ah, mais non, c'est pas elle. Elle, c'est le. C'est lui. C'est lui. Voilà. Bon, dans le doute. En même temps, il parle de sa tête comme ses fesses. Et en plus, il se la trompe. J'avoue. J'avoue, sale. Melee weapon. Alors, tiens, j'ai des. Ah là, j'ai deux melee weapons et ça me donne. Shockwave. Par contre, là, le jeu vidéo. Non, mais franchement, je ne peux pas lire en fait. Je peux pas lire la carte parce que je ne peux pas sélectionner. Et ouais, je ne peux pas en fait. Et en fait, je ne peux pas lire. Ça, par contre, c'est vraiment embêtant. Les mecs, sérieusement, ce n'est pas compliqué de faire une. Enfin, testez votre jeu, putain. Le jeu, il existe depuis novembre. Il y a bien quelqu'un qui a dû faire un retour d'expérience en leur disant les mecs, quand je mets un mode, j'arrive pas à lire la carte. Parce que du coup, je suis obligé de mettre le mode et lire la carte. Shockwave. That's either stagger. Moins 2 and one turn to primary target. Ouais, ok. Stagger, discard random. Ah bah, stagger, c'est discard random card. Ok. Ok. Je comprends mieux. Ayav comprend mieux. Et 10% de stagger en plus. Ok. Stunning blow. Du coup, on va pas mettre. On va vendre ça, je pense. Et elle, la fille, elle avait un Energy Blade. Level 1. J'ai plus de Quick Strike. Hop, d'accord. Ça, poubelle. Ça va être poubelle. Ça, c'est poubelle, du coup. Ouais, allez. Enfin, poubelle, vendre, quoi. Allez, on vend. Je vends. Non, pas ça, mais ça, oui. Enfin, mes users, Seraphima. Peut-être Seraphima, faut. On va aller voir si j'ai pas besoin de parler à Seraphima. Non. Quoi? Let's go. Ok, Palace. Always looking for good condition scrap for. Bring us 3 intact team model janitor. Oh merde! Oh, j'aurais dû prendre le contract! En fait, tu sais quoi? J'aurais dû prendre tous les contracts. Parce que là, mais j'y vais pas, et ça, c'est quoi? 5 warming intestine. Ah merde. Ah ouais, j'aurais dû prendre. Con de nom, va. Tête de cul, exactement. C'est de là, ça vient. Institute. Ok, bon, on continue. J'ai combien de pognon? J'ai 561 de pognon. Et on repart à Théopo. Parce que je vous rappelle qu'on n'a toujours pas trouvé. Salomé. Alors, je trouve que c'est assez. Ah, mais attends, non. Attends, je retourne sur Station. Je crois que ça va pas utiliser ma. Ça, je vais acheter. Oh, Reflect. Oh putain, c'est trop bien, Reflect. Je vais acheter de l'énergie. Ou peut-être acheter un field scanner. C'est bon, l'énergie est rechargée. Ou peut-être un portable générateur. Action within 4 tiles. Cost no energy.
Puis on va essayer de prendre ça. On va essayer de prendre ça et on va voir si ça me permet de survivre plus loin. Parce qu'en fait, si ça se trouve, il fallait le prendre depuis le début. Et comme je suis pas très bon, eh bien, ça l'a pas pris. Non, c'est pas auto, il faut demander. Je joue mieux, bien entendu. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais aller ici. Petit scan. Ah, search. Scavenging tool et broken. Ok. Ok, un petit scan. On a quelque chose. PDF alien. Ok, bon, super. Là, il y a un truc. C'est bien, les ennemis reviennent pas en fait. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Petit scan. Ah, l'ennemi, ça c'est sûr. Shiny stuff will be mine. T'es tout seul, mec. À moins que tu sois super méga fort. J'aurais dû fermer ma gueule. J'y crois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va complimenter notre cher Abe. J'adore tes tétons saillants. Salut gardien de nuit. Salut Elfdren. Ouais, le jeu est assez joli. Hein. Comment je devais te dire stop. Mais bon, il a juste du shield. Il va se faire. Je vais le défoncer. Alors normalement là je lui fais 11 à 11 seulement, mais il y avait pas j'avais pas un 20% de damage là. Et de toute façon je taunt. Ouais, je fais 11. Je taunt donc il va m'attaquer que moi, il va enfin je prends l'aggro. C'est important de prendre l'aggro. Donc on continue. Il n'y a pas trop d'ennemis donc. On continue. Ah, je peux? J'ai Energize? Hein? Comment? Active effect, il n'y avait rien. Pourquoi je peux attaquer deux fois? Il y a eu un Energize au pif? J'ai mal dû regarder. Je sais pas quand elle a fait. C'était une animation différente, peut-être que. Peut-être. Je ne sais pas. 20, ouais, bon, on va attaquer. Eh bien, ce jeu, c'est Deep Sky Derelict. C'est. Darkest Dungeon dans l'espace. Allez, on taunt. Hein. Bim! La taunt. Temporaire. Ah merde, il met sa cover à la con. Gros caillou. Hein. Très gros caillou. Fait chier, ça va être long. Attends, on va voir si je peux pas un petit coup d'inspire. Ah, Energize. C'est lui qui a Energize? Enfin, qui a Inspire. C'est quand même la grosse mode des jeux. Ouais. Mais ce jeu est sorti depuis novembre. C'est pas nouveau, en fait. Il est pas nouveau. Je suis tombé dessus, grâce à Canard PC. Je crois que j'aime bien redire Canard PC. Tiens, parfait. Petit scrappy bombe. Oh, ça passe derrière! Très bien. Donc je gagne. Oh, et je gagne la medical tool. Ah, c'est bien ça. Mais j'ai pas de medic avec moi. Bon, on verra. Salomé? Search. Super. Oui. Make war, not love. Oui, génial. Je suis d'accord avec toi. Allons-y.
Hop. Alors, Winning Glow on Energy, je sais. On s'en fout, j'ai un truc. Ok, on va se battre. C'est pas grave. Une pub pour Kingdom Come, ouais, il y a des pubs. Meilleur jeu, bien sûr. J'ai pas essayé, mais meilleur jeu. Quick Strike. Ah, dose 100% weapon damage. Play another melee card if any if available. Melee card. Ah oui, mais est-ce que ça, c'est une carte de melee? Est-ce que c'est light range? Bon, on va partir que non. On va se dire que non. Est-ce qu'on peut complimenter? Est-ce qu'on peut inspirer? Bon, c'est pas grave. Allez, on va... Eux, c'est des chiants. D'accord, donc en fait, j'avais utilisé une carte qui me permettait d'utiliser une autre carte de mêlée. Mais là, il semblerait que j'ai pas de carte de mêlée. Scrappy Bomb, parfait. Putain, ça tombe parfaitement bien. Écoutez, tombe parfaitement bien. Petit AOE. Ripping Strike. Miss. Oh putain, il a evade. Enfin, il a petite chance. Faut dire que c'est nul. D'accord, c'est nul. Tiens, et toi ouais. Pim. Est-ce que c'est nul comme le nerf giganté? A voir. Alors, compliment. Ouais, ça va être loin, donc en fait, on va essayer de le tuer. Ah, bien sûr, il évade, hein, parce que c'est drôle. Mais comme j'ai pas d'autres cartes, et eh bien du coup, c'est la mort. Je end mon turn. Focus beam. Bon, allez, j'y crois, là, tu vas mourir, hein. Attends, est-ce que je peux pas... est-ce que là, il va... Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Des bisous, Dark Bob. Ok. Ah, Ripping Strike, là, il est pas passé derrière le shield. Pourquoi il a une chance de passer derrière le shield? Ah, putain, je vois pas. Et vu que c'est nul, faut que je me trigger. Je crois que c'est la règle. Faut que tu dises, waouh, qu'est-ce que tu dis? Vraiment, vous dites des bêtises. Voilà. Est-ce que je prends l'aggro encore? Ouais, je pense qu'il va mourir en fait. Attends, Shockwave, c'est quoi? Il stagger, il perd une carte et il a moins d'initiative, mais de toute façon, on s'en fout, il n'y a pas d'adjacent, donc vaut mieux taper. Merci, Crash, merci beaucoup. Tu nous as aidés. C'est bon. Ah, c'est pour ça qu'il y a une animation différente, ok. Donc là, je récupère un mental tool. Et une arme, d'accord. Donc, hop. Ok, il y a quelque chose. Search, encore. L'idée, là, serait peut-être de mettre le shield. Ah. Supply... Power Tuner Beetle. Ah, donc j'ai mal compris. Ok. Ah, Inventile take no energy. Ok, donc là en fait, quand je vais passer sur ces trucs bleus, ça ne va pas utiliser d'énergie. Mais je pensais que ça allait recharger mon énergie. En fait, non. Donc je suis dans la merde. J'ai mal lu. PC canard, canard PC, PC canard, canard PC, pas mal. On est bien. On est très bien. Mais je me sens un peu BZ, si tu vois ce que je veux dire. Ah, et ça se réduit. Ah. Ah, donc c'est vraiment pas top en fait. Mais là, je vais prendre cher. Là. Donc en fait, j'ai acheté un truc sans crédit pour rien. Ça me... J'ai un peu mal aux fesses. Le jeu coûte 13,63€ sur GOG et 15,99€ sur Steam. Bien sûr, à 13,63€ sur GOG, tu auras le DRM free.
Donc là, on est d'accord que je suis pas bien là. Je vais perdre des points de vie. Pour la première fois. C'est un test. Ah putain! LOL! Putain, il avait marqué. Alors attends, attends. Alors, je lis. C'est marqué. Moins exigeant. Et moins exigeant que Darkest Dungeon. Où ça? Heureux, mes chers amis, nous sommes dans le RIP, des bisous, j'espère que vous avez vraiment apprécié eh bien, ce moment de RIP, hein, et surtout apprécié ce moment de jeu vidéo. J'ai un peu la super mort, j'ai clairement la super mort, en fait, parce que j'ai la super mort pour un truc super simple. Super mort, super simple, voilà, voilà. Heureux, hein, tapez F5, hein, vous êtes revenus, j'en suis sûr. Vous êtes avec moi. Et on vous fait des bisous. Juste avant... Apparemment, j'ai un problème avec le truc des bits. Il marche plus. Cheer. Actualiser. Voilà. En fait, le jeu est bien. Franchement, le jeu est super cool. Mais il y a un truc super chiant dans le super... dans le super. C'est que, en fait, quand tu vas explorer un endroit, faut calculer au... Bah, à l'énergie près, en fait. Et mine de rien. C'est pas ça, mais comment je faisais pour calculer? Enfin, tu vois quand tu reviens dans... Tu vois combien ça te coûte? Mais en fait, là où c'est la baise, d'une, faut faire des calculs. De deux, si tu tombes sur des méchants, eh bien, en gros, à chaque tour, ça t'utilise un point d'énergie. Donc, imaginons, t'as calculé. T'as fait 8 fois l'aller-retour. Et tu tombes sur un boss. Imaginons, je sais pas, tu tombes sur un boss. Et ce boss-là te prend 15 tours. Et que t'avais calculé pour revenir à l'énergie, et t'avais à peu près 10 d'énergie en rab. Et ben t'es baisé, tu peux pas revenir. Et si t'as pas bah, cette énergie qui te faut, bon après tu peux utiliser ce que t'as trouvé par terre et avoir 2 d'énergie à chaque fois. Mais quand même, c'est pas simple. C'est un peu pute. C'est clairement un peu pute. C'est pas ça, mais bon, enfin, le jeu vidéo, quand même, on en est où? Céleste, c'est mieux, putain. Voilà. Non, mais franchement, le jeu est super cool. Je répète, ça s'appelle Deep Sky Derelict. Vous avez, de toute façon, le titre là, vous avez le titre là, là-bas, tout partout. On va regarder sur Steam si le jeu est suivi. Donc je vais passer en scène Real Talk. Regardons si le jeu est suivi. Donc Deep Sky, c'est quoi Deep Sky? Non, Deep Sky. Deep Sky Derelict. Donc il coûte 15,99€ sur Steam. Les évaluations récentes sont plutôt positives. Les gens sont plutôt contents du jeu. Il a eu des récompenses pour le best storytelling. Ouais, bon, c'est pas sa qualité. C'est pas sa première qualité, je trouve, hein, loin de là. D'ailleurs, Steam propose de jouer à Dungeon of the Endless après avoir joué à Deep Sky Derelict. Comme quoi, comme quoi, comme quoi. On jouera peut-être à Dungeon of the Endless, tiens.
peut-être demain, peut-être un autre moment. Donc oui, les discussions. Alors j'arrête vite fait, hein, vous voyez pas, mais je vous lis. Je lis. La dernière mise à jour date du 13 janvier. Ça va. Ça va, ça va. C'est honnête. Du 13 janvier, il est sorti en novembre. Salut Sonoya, bon tu arrives pour la fin, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok. Ah, I just buy the game. Help. Ah, multilanguage. Alors attends. Ah, il y a marqué que le French will be included in the full release. Oh. Donc ça veut dire que si je peux aller voir les développeurs, on peut faire de la traduction française. Il faut que j'aille voir les développeurs. Je leur dis oui, moi je vous propose de traduire le jeu pour une somme modique. Bien entendu, je demanderai à ma graphiste de travailler pour moi. Bon ouais, d'accord, ok. Il est totalement pourri par des bugs vénères. Ah bon, si tu comptes le faire, il faut absolument que tu récupères ta sauvegarde dans un recoin, sinon tu risques de perdre des heures de progression. Pas mal. Full release, never. Bon, je sais pas, là il y a des mises à jour. Il y a des mises à jour, décembre, janvier. Oh non, le jeu il a l'air d'être suivi. Hein. Bon, il y a des problèmes, clairement. Mais voilà. Non, mais là ça dit. Voilà. The complete game has been set for late May. Voilà, donc mai, ça va. Et apparemment, dans la nouvelle version du jeu, enfin la version du jeu finale, il y aura beaucoup de choses. Voilà. Oh là, et le jeu est en russe maintenant. Parfait. Mentir sur CV, c'est pas bien. Bah oui. Ouais, mais c'est bon, je vous propose Nimelia pour traduire le jeu. Exactement. Mais je récupère l'argent. C'est-à-dire que moi, je fournis. La main-d'œuvre, c'est-à-dire je mets en contact les gens. Par contre, si je mets en contact les gens afin qu'il y ait du travail, je récupère une partie. Donc, je récupère 115% de la monnaie qui transite. Et après, bien entendu, en tant que bon seigneur, je passerai un petit peu d'argent à Nimelia afin qu'elle puisse s'acheter à manger, bien entendu. Ou s'acheter des stylos pour dessiner. C'est honnête, bien sûr. Puisque c'est un roguelite, t'es bien vénère quand la partie se termine sur un chargement infini. Ouais, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais là, je me suis quand même fait baiser hein, dans Deep Sky, là. Du coup... Je vous pose pas la question par rapport au jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que je sais que tout le monde a aimé Deep Sky des Relics. On y rejouera, parce que maintenant que je sais jouer, bah ça te donne envie de faire une autre partie, hein, parce que la découverte t'apprend de tes erreurs. Maintenant j'ai appris de mes erreurs et voilà, tu vois, hein, voilà. Spyro Remaster vient d'être annoncé. Eh bah écoute, Spyro Remaster sera, ça sera Day One, hein, sûrement, bien entendu. Je vais vous envoyer chez Dova, hein, comme toujours. Et moi je vais aller manger. Enfin, c'est super important. Merci à tous d'avoir été là. Je vais encore aller coller des VOD parce que tout a coupé pendant. Pendant encore de nombreuses fois. Je mets 30 secondes de pub pour dire de mettre 30 secondes de pub. Merci pour vos loots. Ce soir, on verra ce qu'on fera. Et puis des bisous, en fait. Parce que bah, c'est déjà des bisous, c'est important, des bisous. Allez, ciao, à ce soir.